pour un petit retour, ça fait super longtemps que j'ai pas été, donc ça va me faire vraiment du bien avec ma petite chérie. Donc si, voilà, on y va, on va vous. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous présenter mes dernières acquisitions. Voilà, donc ce sont ces produits-là et celui-ci que je vous montrerai donc à la fin. Alors premièrement, j'avais commandé ces produits-là que j'ai pas reçus de suite, donc on me les a renvoyés. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé d'adresse? Pourtant ça fait 4 mois maintenant que j'ai changé d'adresse, donc je ne sais pas. Alors c'est une nouvelle gamme de chez Neutrogena. Donc moi j'aime vraiment beaucoup leurs produits et je les aime de plus en plus, tout du moins je les redécouvre parce qu'avant j'aimais pas trop. Donc ici nous avons, donc c'est la gamme Visibly Clear Correct and Perfect, c'est l'exfoliant unificateur de teint. Voilà, je vais vous le rapprocher. Donc il aide, est-ce que vous voyez comment, voilà, aide à purifier la peau, à prévenir les imperfections et à unifier le teint. Moi c'est surtout pour purifier et unifier, hein, parce que j'ai pas trop d'imperfections, tout du moins... J'en ai pas en ce moment, voilà, je touche du bois. Et ensuite avec ça, donc il y a la CC crème, crème anti-imperfection. Moi j'adore les CC crèmes. Voilà, il y a même maintenant en ce moment les DD crèmes. Les bébés crèmes, ça allait, mais franchement les CC, elles vont venir corriger en fait les imperfections que vous avez au niveau du visage. J'ai pris la teinte médium. Donc cette CC crème a pour but de couvrir les imperfections, les marques résiduelles, voilà, donc en aidant à les corriger en fait. Donc c'est un soin, une crème soin, voilà. Donc par contre elle fait combien de millilitres celle-ci? Elle fait 50 millilitres et le produit doit faire 150. Donc voilà pour ces deux produits là. De toute façon là c'est juste une vidéo présentation et de toute façon je compte vous en reparler très prochainement, vous les verrez dans des routines, etc. Ensuite j'ai reçu cette délicieuse huile, ça fait un moment que je voulais la tester, donc c'est de la marque Roger et Gallet. Je pense que tout le monde connaît cette marque, c'est pas possible de passer à côté, le packaging est sublime. Voilà, donc c'est une huile nourrissante pour le corps et les cheveux, ça j'adore. Ça me fait un peu penser à celle de chez Eipoya que je vous avais présenté dans mes produits terminés. Et celle-ci par contre est au gingembre rouge, donc assez aphrodisiaque, très sensuel, j'aime vraiment beaucoup. Et le petit plus c'est que c'est un flacon vaporisateur et ça c'est génial, très pratique, vous en mettez pas partout, ça coule pas sur la bouteille, enfin bref. Donc elle fait 100 ml et elle est à base en fait d'huile, donc elle est composée de plusieurs huiles, macadamia, l'huile d'olive, d'argan, huile de rosier, muscat, ça c'est très bien parce que ça régénère la peau. En général l'huile de rosier muscat on l'utilise pour réparer la peau, vergeture, etc. Et vous avez aussi un petit côté fruité, cassis, et vous avez aussi du gingembre naturel. Donc voilà, je l'ai déjà essayé sur mon avant-bras, ça sent super bon, la peau reste parfumée, donc ça je pense que ça va être un favori. Ensuite, j'ai reçu ceci de la part de Huda Beauty. Je suis trop contente. Vous savez que, voilà, tous mes Huda sont là. Je crois qu'ils y sont tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai donné un à ma sœur. Voilà, mais sinon, j'en ai gardé 6, vu que j'en ai rajouté un de Paris. Vous vous rappelez, le Icon que j'ai acheté chez Sephora. Voilà, enfin bref. Donc là, j'ai pu avoir de la part de Sephora et Huda Beauty ces produits-là. Je les remercie, je suis trop contente. Donc j'ai choisi le Famous. Voilà, donc hâte de le tester. De toute façon, j'attends ma palette Huda pour pouvoir vous faire un total look Huda Beauty. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc le Huda. Hop. Ensuite, nous avons le crayon qui va avec, c'est aussi le Famous, ça va me permettre de le tester. Les Samantha que j'avais acheté, donc ça me fait un petit doublon, voilà. Et enfin, le petit plus, c'est la colle. Donc la colle n'est pas encore commercialisée chez Sephora, donc je pense que ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va arriver. Donc voilà, c'est une colle à fossiles waterproof, et ce qui est génial, c'est qu'elle est noire. Donc moi, je n'avais que des blanches, et ça va me permettre donc de la tester. Me semble-t-il que vous pouvez vous passer de trait de liner, voilà. Si vous mettez des fossiles assez naturels, j'ai hâte de les utiliser dans un tutoriel maquillage. Bon, voilà. Ensuite, j'ai reçu ceci de la part de la marque Eddie Watson. Donc, je pense que certaines d'entre vous connaissent cette marque.
Voilà, c'est une petite marque de lunettes. Voilà, donc vous recevez ça dans cette petite boîte en carton. À l'intérieur, donc, vous avez une petite pochette en mousse comme ça. Passe-partout ergonomique, très pratique, je trouve. Voilà, très jolie, en gris chiné. Ensuite, vous avez une protection. Enfin, ensuite, vous avez des cartes explicatives. Et enfin, ça, c'est trop mignon, je trouve, c'est assez ingénieux. Donc, le petit chiffon pour nettoyer les lunettes, comme ça. Emballé comme ça, trop mignon. Voilà, donc le plus important, donc, ce sont ces lunettes. Ce sont des lunettes de repos, ni correctrices, ni protectrices, ni solaires. Voilà, ce sont des protectrices solaires, donc ça ne protège pas du soleil. Par contre, ça protège de la lumière bleue, donc elle filtre 40% de la lumière bleue qui émane en général de tout ce qui est télé, tablette, smartphone, ordinateur. Voilà, donc ça, je vous en avais déjà présenté l'année dernière. Je vous avais présenté une marque de solaire comme ça. Malheureusement, mon fils me les a cassés. Donc là, ça tombait super bien parce qu'il est proposé. Donc là, ça tombe super bien. Hop, donc ce sont les Luboce ou Lubos. Voilà, c'est le nouveau modèle comme ça, très très beau, moi j'aime beaucoup, vous voyez le reflet bleu qu'il y a, voilà, donc en fait ça va venir protéger ça va venir protéger vos yeux, éviter la fatigue oculaire, etc. Et donc ce modèle est en écaille rose, comme ça, très très beau, les branches sont roses, écaillées, très très belles, vous avez donc, vous avez le sigle ici, Eddie Watson. Voilà, de toute façon, vous me les verrez porter. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment une forme universelle. Ça va à tous les visages. En tout cas, moi qui suis pas très, très lunette, elles me vont très, très bien. Enfin, moi, je trouve qu'elles me vont très, très bien. Elles sont très belles, très jolies design, assez légères. Je veux dire, quand vous les portez, vous les sentez pratiquement pas. Voilà, et comme au travail, je travaille que sur l'ordinateur, hein, en tant qu'infirmière, on rentre tout ce qui est soins, transmission, etc., etc., dans l'ordi. On a un système informatisé, voilà, on ne travaille plus sur les dossiers papier. Donc, ça faisait quand même pas mal de temps passé devant l'ordi, entre la maison, le smartphone, le travail, enfin bref. Ça tombe vraiment à point nommé, et je pense qu'elles vont aller directement dans mes favoris également. Donc, voilà. Pour ces jolies petites lunettes. Les filles, je voulais vous faire un petit point sur mes derniers produits acquis. Donc je suis allée acquis chez le grossiste, chez mon grossiste en coiffure. Voilà, donc j'étais partie à la base pour me racheter des colorations châtain. J'avais fait dernièrement, donc chez le coiffeur, un diacolore. Malheureusement, ça ne tient pas beaucoup sur mes cheveux. Si vous voulez, mes cheveux l'ont gardé, je crois, 3 semaines maximum. Là, j'ai les cheveux blancs qui commencent à réapparaître. Donc, je me suis penchée sur je suis revenue à Vela, donc la gomme Colestone Perfect. Par contre, c'est la Deep Brown, je n'avais jamais testé. Donc, j'ai pris la teinte. J'ai pris la couleur 577 qui équivaut à du châtain clair marron intense. Voilà, parce que j'aime bien éclaircir. J'aime bien éclaircir en été et foncer en hiver. Voilà, donc je verrai ce que ça donne. Et je suis tombée sur les produits, donc Myriam K. Et je suis littéralement, j'ai littéralement craqué. Donc en général, ils avaient la gamme rose, en fait, tout ce qui concerne le lissage. Voilà, mais moi, comme j'ai pas de lissage et que ça m'intéresse pas, donc je me suis plutôt dirigée vers cette gamme-là, donc la gamme anti-âge. Voilà, donc c'est une... celui-ci, c'est le shampoing. À la kératine et à l'acide hyaluronique, voilà, donc anti-âge, tout à fait ça. Et ensuite j'ai pris le masque, parce que vous aviez que le shampoing et le masque, j'ai pas vu d'après shampoing, et le masque me semble-t-il qu'il est rose celui-ci, voilà, donc anti-âge capillaire. Hâte de tester et de vous dire ce que j'en pense, voilà, parce que j'arrive pratiquement à la fin de mon kérastase anti-chute de cheveux, voilà, même si je suis passée au kérastase chroma, qui protège en fait les cheveux colorés. J'ai bien envie en fait de tester cela aussi. Donc voilà, je teste ça et je vous en reparlerai bientôt. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça peut aller. J'ai travaillé cette nuit.
Et je dors toujours pas. Vous entendez bébé, il faut le garder, hein. Il s'est réveillé assez tôt. Donc j'espère faire la sieste avec lui. Sinon, en attendant, c'est coloration time. Voilà, donc j'ai hâte. Donc c'est un marron, c'est un châtain marron intense de chez Vella. Voilà, dans la gamme Colestone. Hâte que ça soit terminé. Et il faut que je vous filme la vidéo de la brosse. De la brosse jade, de la brosse lissante jade de Irresistible Me. Donc voilà, on se retrouve juste après. Travail, voilà, et ça fait quelques jours que je porte ces lunettes et c'est vraiment le top. Je vous dis pas ça parce que je les ai reçues gratuitement, parce que j'en avais déjà une paire, mais je les aime beaucoup de par leur design, elles sont légères. D'ailleurs, j'ai toujours ma pochette avec moi. Voilà, donc elle protège en fait, elle filtre les lumières bleues qui émanent en fait de tout ce qui est smartphone, télé, ordinateur. Et comme je vous disais, moi je fais mes transmissions et je travaille, je m'occupe des patients, mais je travaille aussi beaucoup sur l'ordinateur. Donc voilà, ça m'aide vraiment beaucoup. J'avais des migraines en plus en ce moment, donc là, nickel, j'ai aucun souci. Donc voilà, je vous les conseille. Si vous passez énormément de temps sur tout ce qui est tablette, téléphone, etc., ordinateur, parce que franchement, ça aide énormément. Donc voilà pour le petit check-up. Donc voilà pour le petit récap pour ces lunettes, donc les Luboss ou Lubochi, moi j'aime bien dire Lubochi, de Eddie Watson. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors là, je viens de terminer ma première séance de thermo-cryolipolyse. Je vous en avais parlé vite fait un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous dirai tout ça dans une vidéo parce qu'il y a énormément de choses à raconter, à dire. Hein, voilà. Donc en tout cas, moi là, après une heure de cure, je dirais, eh ben ça va, j'ai pas de douleur, j'ai pas de douleur, pas de picotement, pas de tiraillement, rien. Donc voilà, je vous tiens au courant. J'ai pris quelques photos. Je vous parlerai du centre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Je vous fais des bisous.